السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي التلاميذ. إذن هذا الشق من درس التجاذب الكوني، فهو شق يهم جميع المستويات سنوات الثانوي، السنة الأولى جدع مشترك، ثم بكالوريا واحد وبكالوريا اثنان. لماذا؟ لأن هذا الدرس كما كنقولوا هو لا باز، دونك سي لا باز دو كالكول. Donc c'est la base de calcul en physique. Donc règle importante pour écrire en notation scientifique. Donc on peut notation scientifique. Donc on recoupe le nombre à convertir tel quel. Et donc, on écrit le nombre comme on multiplie ce nombre par la puissance de 10. La puissance de 10, soit positif, soit négatif. Donc, 10 à la puissance, par exemple, moins 5, ou 10 à la puissance plus 5, ou soit plus, soit moins. Donc, au symbole de l'unité. ملي كيتكلم ليا مثلا على عالم الاجزاء او المضاعفات ديال هذيك القيمه اللي غنتكلم عليها على المقدار الفيزيائي، مثلا نكون بالغرام وبغيت نمشي للكيلوغرام، ماشي هي كنكون بالكيلوغرام ونتحول الكيلوغرام. اذا كيكون عندنا سواء لا بويسونس غتكون نيجاتيف ولا بوزيتيف. اذا غنتكلموا على الشيء فيما يلي من طبيعه الحال. دونك 3، donc la troisième règle. Donc on décale la virgule du nombre, donc on va décaler le nombre de manière à écrire le nombre sous forme de a fois 10 à la puissance n. Donc on dit le décalage, un décalage de la virgule, soit à droite, soit à gauche, donc tel que a soit comprise entre 10 et 1. Et n, c'est un nombre, donc n, c'est un nombre, donc entier, c'est un entier, soit positif, soit négatif, donc soit 0, 1, 2. Donc, je vais vous expliquer ce que c'est. La puissance moins 3 fois 10 à la puissance moins 9 nanomètres. Donc, ça égale à combien? Donc, c'est 35. Fois, premièrement, donc c'est, j'ajoute moins 3 à moins 9, donc c'est 10 à la puissance moins 12 nanomètres. Maintenant, j'écris ça sous une écriture scientifique. Et donc, nous avons écrit ça dans la kitaba ilmiya. Et donc, je n'ai pas écrit ça dans la kitaba ilmiya. Donc, il faut que nous avons un à 10 à 1. Et donc, 35, donc, la virgule qui est là, elle a 35,0. Donc, je recule la virgule jusqu'à 3,5. Voilà, donc c'est 3,5. J'ajoute ici 1. Donc, fois 10 à la puissance moins 12 plus 1. Donc, moins 12 plus 1, vous savez, c'est moins 11. Donc, c'est moins 11. Donc, ici, donc je peux écrire ça. Donc, c'est 3,5 fois 10 à la puissance moins 11. Donc, j'efface l'explication. Voilà. Toujours, c'est dans ce ici, c'est sans oublier l'unité. Donc, c'est nanomètre. Donc, c'est nanomètre. Ok. Maintenant, donc 10,3 nanomètres en mètres. Donc c'est l'inverse. Donc c'est en mètres. Donc pardon. Donc c'est 10,3 nanomètres. Donc nanomètre. Donc quelle est la relation entre nanomètre et mètre? Le mètre.
Vous savez que 1 nanomètre égale à 10 à la puissance moins 9 mètres. Égale à moins 9 mètres. Donc, ça égale à 10,3. C'est toujours 10,3. Et je remplace nanomètre, c'est 10 à la puissance moins 9 mètres. Voilà, nanomètre. Maintenant, regardez ça. Donc, A, dans ce cas, petit a, c'est supérieur à 10. Donc, je recule ici. Donc, je décale la virgule un seul rang, mais à gauche ici. Donc, c'est 1,03 fois 10 à la puissance. J'ajoute ici un 1. Donc, je recule un seul rang à gauche. Donc, j'ajoute un 1 à la puissance de 10. Donc, la puissance de 10, c'est moins 9. Donc, c'est moins 9 plus 1. Moins 9 plus 1 donne moins 8. Donc, voilà, c'est moins 8. Sans oublier toujours l'unité. Donc, voilà. Donc, c'est 1,03 fois 10 à la puissance moins 8 mètres. Voilà l'explication de... OK. Donc, je passe... دونك الوليدات دابا هنايا غندير لكم غير مقتطفات لان دابا تكلمنا بزاف على لا كونفيرسيون دونك اون كونفيرسي لا كونفيرسيون دي فوليوم دونك دو فوليوم دونك جو بو كوريجي سولمون دو او 3 اي اون باس اون كونفيرسيون دو تو دو لا دوري دونك كونفيرسيون دو فوليوم دونك فوالا دونك Donc, on regarde ici. Donc, 2,5 litres. Je la convertis en millilitres. Milli, regardez ici. Milli, c'est 10 à la puissance. Donc, milli, c'est le 1 sur 1000 d'un mille. Donc, c'est le 1 millième. Milli, centi, le 1 centième. Donc, dixi, c'est le 1 dixième. La rochor. ملي كنتكلموا على العشور جزء من 100 جزء من 1000 ملي كتسمعوا ميلي كاينه ميلي وكاينه كيلو العكس ديالها كيلو سي 1000 من الحاجه ميلي سي 1 على 1000 من الحاجه يعني 1 على 1000 يعني جزء من 1000 كاينه اوسي كاينه الميغا وكاينه عندكم الميكرو حتى هي نفس الشيء ميغرا هي مليون ميكرو هي واحد على مليون إذن هادو خاصنا نعرفوهم نتقنوهم دابا في هاد السنة هادي لأن كاينين شي وليدات في البكالوريا ما فهموهاش دازو مرة الكرام من ترونكوما و بخميغ غاني باك وقع عندهم هاد المشكل هذا البكالوريا كيفاش كتجمع عليه كيوحل عال في الوحدات تلقى في البكالوريا واحد عال في الوحدات ما عمرو ما عرف ليهم علاش لأنه ما خداهمش بواحد في الوقت ديالهم بإتقان إذا لتر راه هو 1000 ميلي لتر دونك 1 لتر سي 1000 ميلي دونك دائما نديرها 1 لتر راه هو 10 على بويسونس 3 ميلي لتر هو سي ميل إيه العكس دونك 1 ميلي لتر بحال كتجيب هاد 1 على لتر وكتقسمها على 1000 دونك هادي هي 10 أس ناقص 3 لتر هكذا 1 ملليلتر سي 10 على بويسونس موان 3 لتر اي 1 لتر سي 10 على بويسونس 3 ملليلتر اذا باش ما نتعطلش عليكم فقط كتحول ليا كتعوض ليا هاد الليتر ب 10 على بويسونس 3 10 على بويسونس 3 ملليلتر فوالا ici دونك سا سي ا سي كومبري اونتر 1 اي 10 صافي هادي ام معروفه بلا ما نحولها ما والو دونك هنايا ما غنحولش دابا نخليها كوم سا دونك سي اون كريتير سيانتيفيك كوريكت دونك سي اديكوات دونك ماتنو قال لي 50 ملي لتر لتر دابا لاحظوا معايا هنا باش نفهموا هذا الشيء اذا كيبان لكم انه ساهل ولاش لا راه هذا غيفهمك بزاف د الحوايج انت كتعود عليه اذا دونك 50 ملي لتر 50
millilitres, tu l'as converti en litres. Un millilitre, c'est 10 arbustes moins 3 litres. Donc ça, il compte, tu écris ça. Ça il compte. Millilitres, tu la remplaces par 10 à la puissance moins 3 litres. Yeah, 10 millilitres, ouais, 10 à la puissance moins 3 millilitres. Les 7 bikitabes et elmi. Donc ce n'est pas une écriture scientifique. Donc A est égal à 50. Donc, sous-entendu, c'est 50,0. Donc, tu recules. Donc, tu recules de la virgule ici. Donc, tu décales la virgule à gauche et tu ajoutes ici un 1. Donc, ça égale à 5,00. Tu peux écrire 0, c'est pas grave. Et tu mets 10 à la puissance moins 3 plus 1 litres. Ça, c'est 10. Donc, moins 3 plus 1, c'est moins 2. Voilà l'écriture scientifique. Tu peux écrire 5 fois 10 à la puissance, donc 6 fois 1, fois 10 à la puissance moins 2 litres. Tu peux effacer ce 0. Donc, c'est 5, 10 à la puissance moins 2 litres. Donc ici, d'ailleurs, ici un autre exemple, 2,5 litres, tu peux la convertir en centimètres cubes. Donc le centimètre cube. Donc tu sais quoi? Un litre dans ta tête, donc depuis primaire, c'est un litre égal à un décimètre cube. Ça, il faut qu'elle soit gravée ici. Voilà. Dans la mémoire, donc un litre, donc si un décimètre cube, tu sais que un décimètre cube c'est 1000 centimètres cubes. Voilà, ici décimètre cube, voilà centimètre cube. Donc voilà, ici donc un décimètre cube c'est 0 centimètres cubes. Ok, donc ça c'est 1000 centimètres cubes. Donc un litre c'est 10 à la puissance 3 centimètres cubes. Donc tu remplaces litre par 10 à la puissance 3 centimètres cubes. Donc c'est 2,5 fois 10 à la puissance 3 centimètres cubes. Donc c'est une écriture scientifique. Ok, voilà. Donc ça c'est enchaîné. يعني هادشي مرتبط ببعضياته اذا خاص تكون فاهمهم. هاد السنه خاصك تحيد دابا مشكل ديال الوحدات، ما تخليش الوحدات راه كيتراكموا عليك. اذا عندي هنا نمشي نطلع شويه، 5 مليلتر 5 متر كوب عطاني هنا اون لتر. Donc tu as mètre cube, tu as décimètre cube, tu as centimètre cube, tu as millimètre cube aussi. Donc un mètre cube, c'est quoi? Un mètre cube, si? Donc un millimètre cube, qui est la relation entre litre et décimètre. Tu sais que ça égale à décimètre cube. Un litre, c'est décimètre cube. Mètre cube c'est 1000 décimètres cubes, donc 1 mètre cube égale à 1000 litres. Donc ça, 1000 litres c'est 10 à la puissance 3 litres. Pourquoi? Parce que 1 mètre cube c'est 10 à la puissance 3 mètres et décimètres cubes, et puis parce que et décimètre cube égale 1 litre. Ça, donc ça, voilà l'écriture scientifique. Donc on passe. Donc le marque c'est le tableau. Tableau de la table. Voilà qu'il y a donc les 0, 0, tu la mets sous forme de 10 à la puissance. Donc la puissance de 10. Donc
300 millilitres, je peux la convertir en mètres cubes. 300 millilitres, 300 millilitres à mètres cubes. Et là, je me rends compte. Donc, je peux. Donc, millilitres, c'est quoi millilitres? Dans le tableau, le millilitre, c'est toujours millilitre, c'est centimètres cubes. 1 litre, c'est 10 mètres cubes. Ma catégorie, je ne suis pas kilo, elle est kilo. Kilolitre, c'est mètres cubes. Dans le programme français. Donc, 1 millilitre, je la remplace par centimètre cube. Ça, c'est comme centimètre cube. Tu sais que 1 centimètre cube, 1 centimètre cube, c'est quoi? Donc, c'est 10 à la puissance moins 6 mètres cubes. Maintenant, on a trois les cases, bien centimètre ou décimètre. Okay, on a trois cases entre 10 mètres cubes au mètre cube. Donc, maintenant, c'est à 0 watts qui m'a fait encore. Ok? Donc, 1 centimètre. Donc, c'est 300 fois 1 centimètre cube, c'est 10 à la puissance moins 6 mètres cubes. Elle a dit c'est facile à faire comme ça de la sphère. Ouais, c'est comme ça. Maintenant, je peux écrire ça en écriture scientifique. Voilà la virgule qui existe ici. Donc, c'est 300,0. Donc, je décale la virgule vers la gauche et j'ajoute ici un 2. Donc, ça égale, donc c'est 3 fois 10 à la puissance moins 6 plus 2, c'est moins 4 mètres cubes. Voilà l'écriture scientifique de 300 millilitres en mètres cubes. OK? Mètres cubes, litres, donc ça, donc c'est bon. Maintenant, conversion du degré, de la durée. Et donc, on a mis ça au chalet, parce que c'est très important, on a besoin d'un temps. Donc, on a besoin d'un temps, c'est la première année. Donc, Jacques Léa, il m'a dit de 6h25 et 45, tu peux la convertir en secondes. En secondes. Donc, je vous donne uniquement là. Donc, je vous donne. Donc, la méthode. Donc, il m'a dit de convertir ça en secondes. Tu sais que 6 heures. Donc, heure, c'est quoi? Donc, c'est 3600 secondes. Donc tu crées 6 fois 3600 secondes. Tu remplaces heure par 3600. Donc, plus 25 minutes. Donc, c'est 25 minutes, c'est quoi? C'est 60 secondes. Tu mets comme ça. Plus 45 secondes et tu remplaces ici. Voilà la méthode. Donc, ça fois ça, fois ça, plus 45, le temps en secondes. Comme je vais dire en secondes. Je vais vous montrer le temps, parce que je vais la vidéo. Je vais vous montrer le temps, je vais vous montrer le téléchargement. Je vais vous montrer le temps. Donc, 2,5 heures. 2,5 heures en minutes. Donc, c'est facile. 2,5 heures, tu l'as converti en minutes. OK? Donc, dans 1 heure, il y a 60 minutes. Donc, tu remplaces ça par 60. Donc, heure, c'est H. Donc, je la remplace par 60 minutes. Ici, c'est comme 1 fois ici. Donc, c'est comme une multiplication. C'est 2,5 fois. Donc, et tu fais
L'application numérique, donc c'est 25 fois 60, le taux en minutes. Voilà la première. Donc je passe directement aux autres. Donc c'est simple, je pense. Donc 3 jours, exactement 3 jours, je peux la convertir en minutes. En minutes, combien de minutes dans 3 jours? Donc jour, c'est quoi? Donc je peux citer deux fois. Jour, c'est combien? Donc c'est 24 heures. 24 heures. Heure, je... Maintenant, heure, c'est 60. Donc c'est 60 minutes. Heure fois 60 minutes. Et tu fais ce produit. Donc c'est 3 fois 24 fois 60 le taux minutes. Ok, voilà 3. Donc c'est 3 fois 24 fois 60 minutes dans 3 jours. Donc il est l'autre ici. Oh non. Donc jour, seconde, c'est la même chose. Donc tu multiplies. Donc tu peux écrire, donc si tu as 27,47 secondes. Non, jour. 45 jours, pardon. Jour. En secondes. Ici. Donc c'est 27,45 jours. Donc jour. Donc c'est 24 heures. Donc c'est 27,45. Donc ça c'est 24 heures. Dans une heure, il y a 3600 secondes. Fois 3600 secondes. Donc et tu fais l'application numérique. Tu prends ta calculatrice et tu fais cette multiplication. Ok? Tu trouveras en seconde ça. S, c'est majuscule. Donc, S, donc c'est seconde. Maintenant, 40. Donc, 4000. Donc, 4800 heures en an. نحولها للسنة شحال فيها من سنة انت هنا شنو غندير شنو كتعرفوا على الاخ على الاخ نديرو على اخ سي كوا دونك il y a 24 heures dans une journée. Il y a 360, c'est presque ça. C'est 365, virgule presque 6 jours. Donc, je peux écrire ça. Donc, je sais que 365, virgule. Donc, plus exact. Donc, c'est 4. Donc c'est 1,5. Donc maintenant, c'est un être très bien fait. C'était souhait. Donc là, on a 365 jours. On a c'était souhait. C'était souhait. C'était souhait. Il y a un robot très bien. Il y a un robot. Il y a un robot. Donc c'est 25. Donc c'est 25. Donc c'est 365 jours plus. C'est presque 25. Ça c'est jours. Dans une année. Dans une année. Hein. Donc ça, dans une année. Donc ça c'est un an. Jour. Je vais faire une heure. C'est 24. Ça, c'est 24 heures. 24 heures.
Donc, 365,25 fois 24 heures correspond à un an. Oui, c'est un an. نتكلمنا دابا على الاور ها هما عدد الساعات اللي كاينين في السنه ماشي ديروا 365 راه كاين واحد 6 سوايع زايده لان كل 4 سنين كتولي عندنا سنه كبيره سنه كبيره وعابسين كتو عاقلين كبيره وعابسه اذا هنا هاد 0.25 هي ربع هي ربع هذه اللي زدت هذه اللي شويه فيها شويه ديال اذا هنا 24 ساعه اذا 24 ضربوها في هذا هادو كوريسبون ان نو دونك جي Maintenant, ça, heure correspond à x, ce nombre. Donc, je peux l'écrire, donc c'est la dernière. Donc, je peux utiliser la calculatrice de cette portable, de ce portable. Donc, il existe. Donc ici. Donc, je veux c'est x, donc c'est ça fois ça divisé par ça. Donc c'est 4000, donc 4000 fois 800, heures, donc c'est 4000, donc divisé par 365,25 fois 24, je ferme la parenthèse, donc c'est 0. Donc c'est 0,25 heures donc c'est 0,54 Il y a un 7 et 5 ici. C'est comme ça. Donc, acteur minus fin. Donne la valeur au métier. Tu nous mets heure. Donne, il y a ces fois facile là. 5000, donc c'est 0, c'est 547 ans. Donc, Aïza et Telamid, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Il y a une vidéo. Taqasamouh wa sharikouh wa asdiqa'akoum. ولا تنسوا دعم القناة لأن القناة محتاجة لدعمكم إذن أعزائي تلاميذ إلى حصة مقبلة إن شاء الله دمتم سالمين هذا هو المهم دمتم سالمين وعليكم بالعمل العمل 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 لأنك أنت تلميذ يعني كن محترفا إذن عندك فقط مهنة التعليم إذن مهنة يعني أنت تكون نفسك هذا الشيء اللي كان قصد به إذن كن محترفا تلميذا محترفا إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته